Le mercredi 24 juin a eu lieu la 4e édition de la montée de l'Alpe d'Huez, organisée par le 93e régiment d'artillerie de montagne. Cette journée a permis de récolter des fonds pour soutenir les blessés de l'armée de terre. 3, 2, 1, c'est parti. Le départ a été donné de Bourdoisan pour tous les participants, présents en course à pied, à vélo, en randonnée et même en roller, afin d'effectuer un parcours de 14 km et 1100 mètres de dénivelé. Ouverte au public, l'ascension des 21 virages de la montée de l'Alpe d'Huez a rassemblé 620 participants. Cette année, je pense qu'on a un peu battu notre record sur l'effectif. 620 participants ont pris part à cette épreuve. Et en plus, on a pas mal de gens aussi qui ont contribué à cette journée de solidarité, qui sont absentes, mais qui ont contribué quand même financièrement à cette action. Donc on est bien contents et en plus, on a un temps magnifique. Plus de 500 participants venant de Montauban, Carcassonne, Paris, Rennes, 7e BCA, 13e BCA, tous nos camarades alpins, voilà, tous les camarades de l'armée de terre qui sont venus, qui nous ont rejoints. Et tout ça pour les blessés de l'armée de terre, merci à eux. 7000 euros ont été récoltés et seront reversés à l'association Terre Fraternité qui a pour but d'apporter un soutien moral, matériel et financier aux blessés et à leurs familles, ainsi qu'aux familles des militaires décédés en service.